La matinale, belle bonjour la Guyane, de retour bien sûr sur Guyane Première. Merci à nos amis de la rédaction hein, pour toute l'actualité. Un peu de musique, ça fait du bien aussi. Nous sommes effectivement de retour et au lycée agricole de Matiti. Elle gère les animaux ici dans ce grand lycée. C'est Madame Loumeto Ipolo Frédéric, c'est notre invitée aujourd'hui. Frédéric, bonjour. Bonjour Tano, Comment allez-vous? ça va très bien, merci. Alors vous vous réveillez très tôt tout le matin comme ça pour accueillir vos élèves et être sur le pied de guerre, comme on dit dans ce lycée. Ben, on n'a pas le choix parce que les animaux, on travaille avec eux principalement le matin. Sinon, l'après-midi, il fait trop chaud. Et même pour les jeunes, c'est beaucoup plus intéressant dès qu'ils sortent de pouvoir gérer les animaux, de s'en occuper le matin. Donc voilà. D'accord, donc ça vous oblige un petit peu à venir très tôt le matin. Alors, en quoi consiste exactement votre travail ici? Ben, moi, je suis enseignante en zootechnie, ce qui veut dire que j'apprends aux élèves à s'occuper des animaux, comment les entretenir, comment les nourrir, comment avoir une production, puisqu'en fait, on est dans la conduite et la gestion des exploitations agricoles, donc on a besoin que les animaux soient en bonne santé pour pouvoir se reproduire et ensuite vendre les produits. Donc c'est tout ce travail-là. On a des classes depuis la troisième, donc là, on va avoir une classe de troisième qui s'occupe des caprins. Et jusqu'en terminale, conduite et gestion des exploitations agricoles, mais il y a également d'autres filières qui ont toujours des interactions avec les animaux et les végétaux sur l'exploitation agricole. Alors, en arrivant ce matin ici au lycée agricole, moi j'ai vu beaucoup d'élèves arriver en bus, ceux qui sont déposés par les parents. Ces élèves, pour vous, ils sont motivés, ils sont là parce qu'ils ont envie de travailler dans ce domaine. Oui, parce que déjà, vous avez des élèves qui sont motivés par leurs parents. Vous avez aussi les profils qui arrivent en vous disant: j'aime les animaux, donc bon, voilà. Mais dedans, vous avez au début ceux qui viennent parce qu'on ne les a pas pris dans d'autres lycées. Mais ce qui est bien, c'est qu'au fil du temps, ils se rendent compte que faire cours et être en même temps en extérieur, c'est très intéressant. Donc du coup, ils restent et ils continuent dans les différentes filières, puisqu'on a aussi la filière générale et technologique. Donc effectivement, chaque groupe arrive à trouver, chaque élève arrive à trouver en fait son compte et au lycée agricole. Alors justement, comment sont organisées vraiment les activités ici? Alors c'est vrai que l'élève qui s'inscrit ici au lycée agricole, je suppose qu'il a déjà une idée précise de ce qu'il a envie de faire. Ou bien est-ce que c'est vous qui lui conseillez un domaine, un secteur plus qu'un autre? Ils sont trop jeunes parfois, là, les troisièmes, ils sont trop jeunes pour savoir exactement ce qu'ils veulent. Donc, ce que le lycée agricole propose à tous les élèves, c'est une vue globale, en fait. C'est-à-dire qu'on commence par une vision globale, en fait, de tout ce qui est possible et imaginable de faire dans l'enseignement et l'éducation. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des filières générales et des filières professionnelles. Dans les filières professionnelles, on a la gestion de la protection de la nature, on a les animaux, on a l'environnement, on a tout ce qui est végétaux. Donc voilà. Donc après, au fur et à mesure qu'ils travaillent, qu'ils vont, ils ont différentes filières et au fil des filières, bah, ils finissent par choisir. Et aussi, on a tout ce qui est mobilité internationale pour leur permettre de voir aussi autre chose, d'autres exploitations agricoles à travers le monde. Alors, en discutant avec eux ce matin, j'ai vu que certains venaient de Kourou, d'autres de Macouria, de plusieurs communes de Guyane. Pour vous, c'est une belle chose de voir que des jeunes embrassent cette carrière, effectivement, d'agriculteur, en tout cas pour ceux qui vont poursuivre jusqu'au bout, hein. Oui, on a même de Maripasoula, de Saint-Laurent, qui sont internes, ceux-là. Tous ceux qui sont dans les communes très éloignées sont internes. Ceux que vous avez vus, c'est ceux qui sont tout autour. C'est important parce qu'en Guyane, qu'on le veuille ou pas, on a l'agriculture qui est vraiment le socle de ce pays. On peut développer une agriculture biologique de façon très simple chez nous. Et c'est important que les jeunes, justement, aient envie et aient envie de travailler dans l'agriculture et voient le bon côté de l'agriculture, en fait. Alors, nous arrivons justement auprès de ces jeunes de troisième, mais ils font quoi là actuellement? Ils sont en train de peser, de gérer les caprins? Alors, les élèves de troisième ont chacun un caprin qui lui est désigné. C'est-à-dire qu'en début d'année, on leur a donné entre griffes, ils ont adopté un caprin, ils ont le numéro du caprin. Et donc, chaque fois, toutes les semaines, on vient en TP, ils doivent observer leur caprin qu'ils ont adopté. Donc, chacun va récupérer son caprin sur la base de son numéro. Ils vont regarder si ça va, si les oreilles vont bien, au niveau des pattes, au niveau des onglets, puisqu'en même temps, on fait des cours. Donc, ils doivent être capables de vérifier que tout va bien au niveau de chaque animal. Voilà. Individuellement, ils ne vont pas tout vérifier, mais chacun va prendre son caprin, puisqu'il l'a adopté, et chacun va l'observer. Voilà. Alors, quelles sont les craintes justement de ces élèves qui, peut-être pour la première fois, se retrouvent avec un animal?
des craintes, non. Là, c'est des bébés caprins. Franchement, il n'y a pas de crainte, quoi. Là, en fait, ils essaient de les récupérer, justement, de récupérer leurs petits en fonction du numéro. Et ensuite, normalement, ils sont censés s'asseoir avec leurs caprins et les observer. Les craintes, sincèrement, pour les troisièmes, ils commencent par les caprins. Ensuite, ils montent en gamme. Ils vont travailler avec ce qu'on appelle des broutards, donc des bovins qu'on vient de sevrer, etc. Et ensuite, on monte en gamme. Donc, c'est vraiment en première et en terminale qu'ils vont travailler avec des taureaux, des bovins beaucoup plus imposants. Ouais. Mais pour l'instant, ils travaillent sur des petits. Alors, ces jeunes ne sont pas encore concernés par le programme Erasmus, non? Les troisièmes, non. Les troisièmes, non, même si il est possible de les mettre dans le cadre d'Erasmus, dans le cadre des échanges scolaires. Donc, les troisièmes seraient plus concernés dans le cadre des échanges scolaires, tandis que ceux qui sont concernés par les programmes Erasmus, c'est ceux qui sont déjà en première et en terminale. Voilà. Alors, c'est quoi ce programme Erasmus? On en parle beaucoup. Il y a effectivement des jeunes qui reviennent du Portugal, ceux qui sont partis en Espagne. Tout à l'heure, justement, nous aurons avec nous deux jeunes qui reviennent d'Espagne, de Vigo exactement. Ce programme consiste à quoi, Madame Lumeto Ipolo? Alors, le programme Erasmus, c'est un programme de mobilité qui permet donc à des jeunes de partir en stage de formation professionnelle dans un pays européen et en fait qui va leur permettre d'effectuer des stages, des périodes de stage incluses dans leur formation, mais sur des productions qu'on n'a pas forcément ou qu'on a très peu en Guyane, comme les caprins laitiers, les bovins laitiers, tout ce qui est laitier en général, ou alors des chevaux. C'est vrai qu'il y a des centres équestres en Guyane, mais tous les élèves ne pourront pas faire leur stage dans les centres équestres en Guyane. Donc, pour permettre au plus grand nombre, en fait, de travailler sur des productions sur lesquelles, pendant le cursus, ils n'ont pas forcément pu le faire. Ouais. On envoie donc des jeunes pendant 2 semaines pour l'instant et sans doute, avec l'accord de la directrice, 4 semaines, faire des stages dans un autre pays européen que la France. En tout cas, c'est du sport le matin que de les voir courir comme ça après les caprins. Peut-être qu'on peut voir les images avec Phil Bonté. Regardez un peu à ces jeunes de 3e. Alors, ça fait rire certains, mais d'autres prennent ça très, très, très au sérieux. Alors là, voilà. En plus, c'est pas facile pour eux d'attraper cet animal qui court très, très, très vite et qui est parfois capricieux. Hein. Oui, il peut être capricieux, mais là, par exemple, c'est eux qui ont mal, qui s'y sont mal pris, parce que généralement, quand c'est comme ça, ils ont besoin d'entourer les animaux et de revenir. On leur apprend aussi tout ça, hein. C'est-à-dire que là, par exemple, l'erreur, ça a été, ils sont trop nombreux, tout simplement, et les animaux ont paniqué. Donc tout ça, on leur apprend ça, c'est-à-dire que tout à l'heure, je leur ai donné comme instruction, vous partez à 4, ouais. Ils ne sont pas 4. Donc forcément, les animaux, en les voyant arriver comme ça, forcément, ils paniquent. Mais je vous comprends. Écoutez, moi, ce que je propose, Madame Lumeto et Polo, allez gérer ça avec les élèves. Et moi, je profite de l'occasion pour discuter un petit peu avec des jeunes qui reviennent d'Espagne. Ils reviennent de Vigo, exactement. Alors, je sais qu'il y a Wendry qui est là. Alors, viens, Wendry. Et tu peux te rapprocher aussi. Rappelle-nous ton prénom. Soliane, comment ça va Soliane? Ça va très bien. C'est dur les réveils le matin? Non, ça va, on a l'habitude maintenant. D'accord. Justement, tu te réveilles à quelle heure pour venir ici au lycée agricole? Avec le bus, je me réveille au moins à 5h30, comme ils viennent nous chercher à 6h20 à Corot, donc histoire d'avoir le temps de bien se réveiller, manger, tout ça. Sur la route, tu te réveilles quoi? Oui. Pour être en forme, effectivement, en arrivant ici. Alors Soliane, toi aussi, tu es partie en Espagne. Comment s'est passé ce voyage pour toi? Est-ce qu'il est important d'aller en échange dans des pays comme l'Espagne, des pays européens? Je sais qu'il y a l'Espagne, il y a parfois aussi le Portugal pour d'autres élèves. Alors oui, c'était très bien. On était dans un hôtel, on était aussi dans un... Enfin, pour moi, dans un centre équestre, on était tous ensemble dans la classe. Et c'est assez important parce qu'on apprend à se débrouiller à l'étranger. Et en plus de ça, comme on part avec Erasmus, on a un diplôme en plus, du coup, qui nous permet de trouver du travail plus facilement ou des stages plus facilement. Parce que justement, les employeurs voient qu'on a appris à se débrouiller autre part. Et puis, quitte à visiter l'Europe, autant le faire pour gagner quelque chose. Et on apprend de la culture, on apprend des gens et... Les paysages sont magnifiques. Voilà, je sais. Alors, vous êtes arrivé en pleine révolution, Wendrick, hein, c'est ça? Catalogue, et Madrid et tout ça? Tout à fait, oui. Justement, avec Barcelone, les problèmes qu'il y a avec l'indépendantisme, tout ça, et puis qui fait que nous n'avons pas pu passer par Barcelone pour le retour. Ouais. Bon. Alors, comment tu as vécu, toi, ce stage, Wendrick, en Espagne, à Vigo exactement? Franchement, c'était formidable, rien à dire. C'est à refaire, moi, je dis, franchement.
Alors, est-ce que vous aviez déjà, venez avec moi, vous avez déjà entendu parler du programme avant que Madame Loumeto, votre prof, vous en parle, ou bien est-ce que vous êtes déjà renseigné auparavant? En fait, moi j'avais des frères qui étaient ici, donc ils étaient déjà partis en voyage avec Madame Loumeto. Du coup, j'espérais justement qu'elle revienne au lycée pour qu'elle continue à faire partir des élèves, qu'on puisse en profiter. Et c'était le cas et on est content. Alors, est-ce que tu sens que c'est un bagage en plus pour toi, Wendrick, le fait d'être parti en Espagne, d'avoir été confronté à une langue étrangère, d'avoir vu d'autres personnes et d'être dans un pays européen aussi grand que l'Espagne? Bien sûr, tout à fait. C'est un plus pour moi et puis ça m'apporte aussi de l'enrichissement au niveau linguistique et franchement, ça m'aide beaucoup. Oui. Alors, quelles sont vos ambitions maintenant, vos projets, vous, après le lycée agricole de Matiti? Que comptez-vous faire? Personnellement, j'aimerais bien faire un BTS et en même temps repartir pendant les 2 années de BTS parce que j'en ai l'occasion. Et après, finir mes études en métropole et trouver un travail en même temps pour alterner. D'accord, donc tu ne veux pas revenir en Guyane? Si, après les études. Après les études, d'accord. Tout, être blindé quoi, pour commencer le travail. Quoi. C'est... D'accord. Tes parents étaient dans le domaine déjà? Ma mère, oui. Mon père, il est né en fait dans une ferme, en quelque sorte. Ses parents dirigeaient une ferme. Et ma mère, elle aime tout ce qui est agriculture, les animaux. C'est une amie à Chantal Berthelot et Christiane Taubira. Donc, elle est totalement dans le domaine. Donc, c'est normal d'avoir poursuivi comme les parents. Et toi, Wendrick, ton projet? Mais moi, plus tard, c'est continuer mes études et puis aller plus loin avec un BTS et voir aussi retourner avec Erasmus, si possible. Vous n'étiez pas tous deux? Il y avait d'autres élèves avec vous? De ma classe, on était 6. Il y avait Wendrick, le seul de sa classe qui était venu avec nous, et un élève d'un autre lycée qui est en collaboration avec le lycée de Matiti, donc il a pu profiter du voyage pour venir. D'accord. Très bien. Alors, comment on dit bonne journée en espagnol? Buen día. Buen día. Ça marche ainsi. Muchas gracias. Merci à vous, merci en tout cas pour ce magnifique témoignage. Eh bien, c'est le moment maintenant de retrouver la chronique de notre ami Mike Montbrun. Mike Montbrun, qui dit quoi? Il vous interroge, il vous pose une question et vous devez tout simplement répondre. On se retrouve juste après avec la directrice de ce lycée agricole, Madame Saran, avec elle nous parlerons des projets du lycée agricole de Matiti. Ah ben tiens, on va revoir quelques images avant de repartir avec qui dit quoi, des images, bien sûr, de Madame Loumeto Ipolo que nous remercions pour cette belle visite ici au lycée agricole de Matiti. Qui dit quoi avec Mike Brombois?